Bienvenue, viewers de l'ombre! Ici Jesper, en direct de Dead by Daylight pour aujourd'hui jouer El Famoso El Grande Ghosty! J'ai bien nommé Ghosty, Ghostface ou Scream, voilà comme on l'appelle surtout en France. Ce beau gosse qui se cache, et regardez-moi ce style absolument incroyable avec ses bandelettes qui flottent. Il est magnifique, en tout cas, ils ont fait un très bon travail au niveau des détails et du design. Donc aujourd'hui, nous allons jouer Ghostface. Je vais vous présenter déjà premièrement les perks qu'on va utiliser. On va utiliser Ruine pour faire que les survivants soient affectés. Donc du coup, test d'habilité qui sont chiants et que ça les ralentisse. Il y aura un totem qui sera mis sur la map et ils devront le casser pour retirer Ruine. Donc on espère qu'ils n'auront pas le totem assez vite. Discord qui va nous permettre de voir dès qu'il y a deux survivants ou plus sur un générateur. Le générateur sera marqué en jaune. N'importe où sur la carte et on pourra aller les faire chier, voilà. Et ensuite frisson palpitant, lorsqu'on soulève quelqu'un pendant 16 secondes les générateurs sont bloqués, donc c'est sympa si on met des gens souvent à terre et qu'on les soulève, et bah on retarde un petit peu tout ça. Puis finalement chili et barbecue qui va nous permettre de voir l'aura de tous les survivants qui sont à plus de 40 mètres du crochet, ce qui veut dire que dès que j'aurai mis quelqu'un sur crochet, je pourrai aller chercher les autres automatiquement s'ils ne sont pas planqués. Voilà, voilà, en accessoire des petits trucs pour avoir vitesse de marque plus rapide, voilà, et pour récupérer notre pouvoir un peu plus vite. Vous allez comprendre comment Ghostface fonctionne si vous ne le connaissez pas. Et pour finir, un Memento Mori en cyprès qui nous permettra de tuer nous-mêmes le dernier survivant à main nue, voilà, pour vous montrer un petit peu le Mori. C'est parti. Le complexe souterrain, laboratoire national d'Hawkins, si j'arrive même pas à le dire. Intéressant, j'avais peur en plus que quelqu'un se déconnecte, mais non. Oh, déjà des infos, ils sont deux sur un générateur, on va essayer de les surprendre, si possible. Ok, alors c'est la première fois que je joue avec Ghosty sur cette map, je sais pas du tout ce que ça va donner. Dakodak. Touché. Ok. L'autre est resté là, voilà. J'arrive, mon petit David Dounet. Il a pas lâché la palette, par contre. Bon, on va les lâcher. Je vais frapper sur ce générateur. Ça commence bien, ça commence bien. Alors là. Alors là. Oui. Viens là, ma chérie. Allez, hop. Eh, mais c'était pas ma chérie, c'était un petit Dwight. Il s'est même pas protégé. Et j'ai entendu David qui pleure, donc ça veut dire que David n'est pas loin. Oh, ça commence bien. Ah oui, j'avais oublié, mais je peux quand même frapper dessus. Tac, tac. Ok. Je vais descendre par là directement. Ok, j'avais entendu David pleurer pas loin. Je vais essayer d'être discret, les amis. Oh, c'était merveilleux ce qu'on lui a mis au pauvre Dwight. Ok, il a été sauvé. Ce qui veut dire qu'il y a moyen d'y retourner. Et de le rattraper, peut-être. Bonjour! Qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Bon bah moi je continue, je retourne sur lui. Il est parti par où? Il est parti par là. Bonjour mon petit David. On va aller chasser le David plutôt, ça sera un peu plus fair play. Salut. Comment on va? Tu vas bien? J'espère que tu vas bien. Oh, il a pas de drop, il a pas de drop, il a pas de drop. Non. Oh, ça c'est pas de chance, mais c'est une safe palette en moins. Ok, encore une. C'est bien, ils nous donnent des palettes. Par contre, ils ont réussi à casser mon ruine entre temps. Ça, c'est chiant. David! David Dounet, reviens! Reviens, s'il te plaît, ça va bien se passer. Je vais faire le tour. Je vais essayer d'être bien vicieux. Oh, il est parti à l'intérieur, finalement. Tu sais pas où je suis, c'est ça? Eh oui! Surprise! Par contre, ils ont terminé deux générateurs. Et ça, c'est pas une bonne chose. Oh! Allez! Où est-ce qu'elle est partie? Par là. Hop là! Allez, salut! Bon, encore une de plus, mais ils sont en train de manger mes générateurs comme des petits pains. Et ça, ça m'arrange pas. J'ai cru entendre David une nouvelle fois. Oui! Oh, mais David! Oh! T'as pas voulu rester! T'as pas voulu rester! Il est parti, il est parti. Je vais en profiter pour aller faire chier les autres. Parce qu'il faut surtout pas qu'il termine ce générateur, après il n'en restera plus qu'un. Oh non! Mais non! Ils ont gobé mes générateurs, c'est pas possible. Bon, je pense pas que je vais avoir besoin de marquer Dwight qui ne s'est pas soigné. Est-ce que si je fais le tour comme ça, c'est assez intelligent ou pas?
Non. C'était pas une bonne idée. Il est resté de ce côté-ci. Bonjour, Dwight. J'arrive. Hop. One man down. Nice. Bon, ils ont réussi à en choper, à aider la petite Claudette derrière. Oh, dis donc. Mais c'est une blague, mais quel fils de... Comment il a fait pour me démarquer alors qu'il me voyait pas? Genre, what? Y'avait pas de mur entre nous et... Enfin, entre moi et lui? Hello? Hello? Comment vas-tu, ma petite Claudette? Ça va être à ton tour maintenant de payer. Par contre, c'est tellement chaud là, les amis, je sais pas du tout ce qui va se passer pour cette fin de game. Ils ont littéralement mangé mes générateurs. J'ai pas vraiment eu le temps de faire des chasses, quoi que ce soit. Ok. Ouh, eh bah oui, le dédard qui n'a pas servi finalement. Allez hop, tu viens avec moi. Oh 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 oh. Bon bah. Tu vas pas terminer mon générateur quand même, mon petit Dwight. Non, lui je peux l'attraper très facilement. Il y aura pas de difficulté normalement avec le petit Dwight. Ils sont en train de toucher au générateur là-bas. Ils sont à deux dessus ou pas? Non, ils ont juste fait du bruit aléatoirement. Hop. Voilà, lui c'était une mince affaire. Et un mort de plus, mon enfant. Alors là, par contre, elle, ça serait carrément génial de pouvoir la marquer. Je pense qu'elle a fait le tour, parce qu'elle est pas stupide. Oui, voilà. C'était à prévoir, les amis. Salut. Comment tu vas? Comment tu vas, mon petit David? Merci pour la palette. Par contre, t'as perdu du temps. Oh, il y a une clé que j'aime vraiment pas. Il est pas revenu sur la palette, lui. Il est fait... Oh, l'enflure! L'enflure avec la trappe! Bon. Au moins, t'as condamné l'autre personne. Ah, fait chier, il est tombé sur la trappe comme ça, là. Ah, je le déteste! Tu serais pas là? Non, elle est pas là. Ok, ce qui veut dire qu'elle a peut-être été à l'autre porte. J'ai fait une erreur. Oh non! Oh la p... Je déteste les gens avec des clés qui tombent sur la trappe comme par hasard. Bon, au moins il l'a trouvé dans un coffre et... Il a eu de la chance, voilà, GG. Cette fois-ci j'ai mis un mori. Et un rouge. Kasuto Haven. Ça va être plutôt chiant je pense parce que celle-là est bien ouverte. On va voir. Oh. Déjà deux petits hauts sur un même générateur. Ok. Ok. Bonjour. Comment il a fait alors que j'étais à couvert? Peut-on m'expliquer? Merci pour la palette. Oh là, oh là, oh là. Tac, tac. On a commencé à marquer plusieurs personnes. Oh, l'autre est parti en courant, je sais pas pourquoi. Il a pris la fenêtre de peur que ça se passe mal. Ok. Oh, du bout du couteau là, hein. Du bout du couteau, tu l'as aimé celle-là, j'espère. Par contre, le con, il va voir mon totem. Ah, t'as vu mon totem, espèce d'enflure. Ah, c'est ça, prends-toi les murs, prends-toi tout. Voilà, drop-moi la palette. Je sais pas ce qu'il a foutu. Ouais, tout droit. Peut-on m'expliquer comment j'ai fait pour faire un looping là-dessus et pour le faire foirer? Bon, il a utilisé son dédard pour se sauver. Hop, mais ça suffira pas. Je sais pas ce que t'as fait mon pauvre David, mais t'es pas opérationnel, on va dire. Ok. Merci d'avoir tenté. Hop. Allez, à ton tour, ma chérie. Ah ouais. Allez, à ton tour, à toi aussi. On fait des free hits. Oh, merci. Merci, mon ange. Il m'a drop la God Palette. Et ils ont libéré directement le David. Ce qui m'arrange, on va pouvoir partir après elle. Qu'est-ce qu'elle a foutu? Elle est partie de l'autre côté. D'accord, d'accord, ma chérie. Allez, lâche. Allez, merci. Une. Dirige-toi vers le centre, ça m'arrange. Elle va me ramener aux autres. Et je vois le David en fond, qui court. Il est encore blessé, c'est super. Ça, c'est une petite palette, hein. Ça va être chaud de me faire un looping là-dessus. Voilà, merci. Oh non! Tellement gentil! Ouais, en plus, c'est toi qui as la lampe torche.
Personne va venir sauver ton cul. Hop! Et une de plus. Par contre, ils ont eu mon totem. Ça n'est pas une bonne chose. Mais bon, au moins j'ai une localisation. Et je suis sûr que c'est David. Ce qui veut dire que si je le fume, il est juste par là. Ah non, c'est pas David. C'est toi, mon enfant? Ouais, baisse-toi. Non, j'ai pas envie qu'il aille par là. En plus, déjà, il y a une palette. Je vais la casser en plus. Tac. Tac. Voilà, j'arrive, mon fils. J'arrive, mon fiston. On va voir ce que tu peux faire avec ça. Ouais, non. Oh, il a live. Mais par contre... Tac. Il m'a pas drop la palette. Est-ce qu'ils sont deux dessus? Non, ça va. On peut continuer la chasse. Continuons la chasse, les enfants. Vous êtes pas mal pour faire vos générateurs, les enfants. Oh, oh, oh bah oui. Mettez-moi sur deux d'un coup. Qu'est-ce que tu fais, toi? On va continuer sur la petite Nia. Ce looping est un des pires de tous les temps au sein de Dead by Daylight. Bonjour, toi. En fait, on va sur qui on trouve, hein, techniquement. Dead Hard. Oh! T'es dans la merde. Et tu vas mourir comme une merde. Et la petite photo souvenir. Allez, salut mon pote. Salut. Oh bah vous êtes tous là, c'est génial. Allez, toi la première. À ton tour maintenant. On va leur faire perdre un maximum de temps. Hop, hop. Là, il y a une bonne chose qui est en train de se passer. On est en train de les chasser. Et ils sont à deux en même temps. Tout le monde est là même. Hop, à toi aussi. Et il est pour moi, hein, personne n'y touche. Eh ben vous êtes tous là. Eh ben toi aussi, et tu passes à des endroits où il n'y a plus de palettes, ma pauvre. Et hop, je préfère qu'ils aillent la sauver plutôt qu'ils terminent mon générateur. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Elle m'a regardé. Ouh, t'as eu de la chance, toi. T'as eu de la chance. Bon, ça sert à rien, on va casser ça. Ils ont échangé la lampe torche, ok. C'est le mec qui a plus d'heures sur le jeu qui a la lampe torche maintenant. Toi, par contre, ma poulette, t'es dans le caca. T'as failli. Est-ce que vous sentez le deuxième Mori qui arrive? Est-ce que vous le sentez? Parce que moi... je le sens très fort. Allez hop. Et non, il y aura pas de lampe torche. Il t'y vague. Ah, je l'aime ce mec. Allez viens, mets-toi bien pour la photo. Oh, excellent. Allez, va-t'en, arrête. Parce qu'après ça va être à ton tour, mon pauvre. Voilà, maintenant c'est à ton tour. Ça aura quand même été drôlement drôle. Oui. Oh, il t'y vague aussi, je l'aime trop. Ce mec, je l'adore. C'est un peu stupide là ce que tu fais par contre. Oui, y a plus de palette par là. Hop, voilà, allez, tu restes là mon grand. On va se calmer tout de suite là. Hop, non. Pas touche à ce générateur, j'ai dit. Oh, bah allez là-bas. On va aller lui rendre visite, les amis. Faudrait quand même que j'essaie de la marquer parce que j'ai jamais marqué quelqu'un dans ces games là. Elle est cachée par là. Coucou. J'ai commencé à la marquer un peu. Coucou. Oui. On continue. Coucou. Tu es marqué maintenant. Tu vas périr. Est-ce qu'elle aura le temps d'aller sauver? Faites vos paris. Aura-t-elle le temps d'aller sauver? Aura-t-elle le temps? Ah bah si. Mais l'autre en fait s'est sauvé tout seul, what?
Oh, indéfectible, et le monsieur a été se sauver tout seul. Remarquable, remarquable. Maintenant, on est prêt pour la plus longue chasse de l'histoire de tous les temps, puisqu'il va faire le même looping en boucle. Ah non, il s'est un peu fail. Même beaucoup. Beaucoup fail même, je dirais. Allez, mon ange, c'est terminé. La victoire, elle est pour papa. Voilà, on descend, on le fait en moonwalk. Wouhi! Hop! Schlouk! Oh, ma chérie, tu es là. À ton tour. Eh mais non, attends. J'avais oublié. Tu vas te mettre pile au centre. Et là... J'ai un vieux couteau de cuisine, on va faire ce... Comme lui, ça fait l'affaire. Yaa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